T'as vu Céleste? Quoi Céleste? Elle est amoureuse de son moniteur de ski. Qu'est-ce qu'il a Thierry? Il arrête pas de la faire rire, il a une super tête, donc voilà, ça va bien. C'est la crise de la quarantaine ça, non? Non, rien à voir, j'ai 38 ans. Ah mais non, mais non, mais j'irai pas avec lui. Ben alors la miste, dis donc. Déstresse un peu là, t'es déformée, c'est pas grave. Aïe, aïe, attends, non, c'est moi, non, bah, moi. Ça va ta maman Céleste? Bah non, elle a une phlébite. Mais c'est pas sexuel, hein. Ah, c'est chiant, c'est une machine. Vous en aide, hein? Et hop là. Merci. Petit bisou. C'est facile à faire, hein, je peux... Non, non, t'es pas obligé de te piquer, hein. L'héroïne, ça se sniffe. Tu m'as dit qu'il avait juste eu des problèmes de drogue. Bah, il en a plus, il l'a tué, son dealer. Mais arrête! Ah, ça vit. Oh putain, Clément! Allez, on y va, on y va. On marche pas sur les pistes de ski, là, madame. Pourquoi vous m'appelez madame? Est-ce que je vous appelle Pépé, moi? Pépé. Quand j'étais petite, j'adorais aller au ski. Enfin, j'allais au ski chaque année avec mes parents, entre 6 et 12 ans. J'avais cette chance. Et j'adorais les vacances au ski. Vraiment, c'était les meilleures vacances pour moi de l'année. Et surtout parce que je tombais systématiquement amoureuse de mes moniteurs de ski. J'ai gardé ces souvenirs en moi pendant longtemps comme vraiment... Voilà, les moments merveilleux de l'enfance et les plus forts. Et une fois adulte, un jour, je sais pas, je traversais un truc un peu compliqué dans ma vie et je me suis dit, bah non, c'est pas du tout ce que je pensais, quoi. J'imaginais pas du tout que ma vie, ce serait ça. Et puis, j'ai repensé justement à ces cours de ski. Je me suis dit, c'est fou quand même qu'à l'époque, c'était si bien et aujourd'hui, c'est si pourri. C'est quand même un peu... Et là, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, c'est justement à cause des moniteurs si ma vie est pourrie aujourd'hui, parce qu'ils m'ont fait croire que la vie, c'était facile, il suffisait de glisser derrière un beau moniteur qui vous fait des blagues, qui vous relève quand vous tombez. Et voilà, ils m'ont envoyé sur une mauvaise piste, en fait. Et du coup, ben, maintenant, je galère. Donc, je dois avoir le syndrome du moniteur de ski. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais référence à un syndrome qui n'existait pas. Je pensais que ça existait. Donc, je me suis dit que j'allais faire un documentaire pour prouver l'existence de ce syndrome. Je me suis lancée là-dedans et en fait, en même temps, je me suis dit que ce serait bien d'en faire une fiction. J'avais vraiment envie de travailler sur une mère et sa fille, et une mère qui revivrait, en fait, qui se rendrait compte qu'elle a ce syndrome et qui revivrait ces choses-là à travers ce que vit sa fille au présent, avec son moniteur de ski, etc. J'étais enceinte pendant le tournage, et en plus j'ai eu une fille, alors que c'est l'histoire d'une mère et de sa fille, et que... Enfin voilà, donc c'est assez fou comme, comme la vie a résonné avec ce film. C'est sûr que c'est très compliqué. Le premier truc embêtant, c'est qu'il y a moins de 8 heures de soleil par jour en montagne, et surtout au mois de janvier. Donc ça, c'était très embêtant parce qu'on avait des grosses scènes à faire, on avait les scènes un peu les plus compliquées en extérieur. Et donc, on était pris par le temps, ça a été assez dur. La neige, c'est dur. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de neige dans le film parce que l'année dernière, il a énormément neigé. Mais en même temps, on avait une tempête de neige tous les 3 jours, donc il a fallu jongler avec le plan de travail, etc. C'était pas... Et voilà, c'était ça les deux choses les plus compliquées, je dirais. Ils sont très vrais, voilà, en gros. Et puis en plus, ils ont un truc très enfantin, je trouve, dans l'œil. Ils ont vraiment un truc... Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi aussi. Le rôle de Gustave Kervern est particulier parce qu'il faut faire croire quand même à cet homme qui sort de prison, qui débarque... au milieu voilà, de cette famille et au milieu d'une comédie, enfin voilà, c'est un peu le personnage qui est pas censé, voilà, qui ressemble pas. Et du coup, il fallait de quelqu'un qu'on puisse pas du tout remettre en question. Et donc, qu'il n'ait rien à faire pour qu'on croie à son personnage. Rien à faire d'autre que d'être présent. Quand je joue dans des films, j'ai besoin, par exemple, d'avoir un texte précis. Et j'ai besoin de le savoir très bien. Je ne suis pas très à l'aise avec l'impro. En tant que réalisatrice, j'ai travaillé beaucoup les dialogues. Et donc bien sûr, les acteurs pouvaient les adapter à eux-mêmes, parce que je ne suis pas non plus rigide ou quoi que ce soit, à part sur certains mots, ou peut-être dont je voudrais qu'ils fassent mouche, enfin, qu'ils fassent mouche à un moment, et donc ça j'y tiens. Mais sinon, l'essentiel, c'est qu'ils se l'approprient vraiment. Moi, dans mon film, j'ai tellement travaillé le texte, tellement que de toute façon, il m'était impossible d'improviser ou quoi, parce que j'avais déjà tout improvisé dans ma tête en écrivant. Il y a beaucoup à apprendre de la manière d'Éric et Olivier, par exemple, la manière qu'ils ont de diriger les acteurs. Et eux, vraiment, ils les font improviser hein, aussi à un moment. Mais d'abord, ils font la scène, et ensuite, ils commencent à improviser. Et puis, ils ont déjà en tête toutes les choses qu'ils veulent tenter. Donc ils ont vraiment énormément de matière en fait, de comédie, etc. Ils vous disaient quoi dire en fait. Donc on arrêtait, ils vous disaient bon bah, maintenant dis ça, et puis donc il y avait quelque chose comme ça, une émulation, et dans l'énergie, et dans... puis on se surprenait tous les uns les autres, donc c'était d'autant plus drôle parce qu'on n'avait pas du tout voilà, pu anticiper la drôlerie de la réplique ou je sais pas quoi. Et ça, c'était génial. Vous parlez d'Audiar, moi j'ai juste travaillé une journée avec lui, mais j'avais adoré. Le lien entre les deux, c'est vraiment la bienveillance en fait, par rapport aux acteurs. Audiar, il était très précis aussi, donc c'est très agréable de se sentir, ben voilà, on sent quelqu'un qui vous regarde et qui veut vraiment obtenir quelque chose. Il sait ce qu'il veut, donc vous n'êtes pas là à balancer des trucs pour rien, et puis forcément vous trouvez un chemin à l'intérieur de ça, parce qu'on voudrait quelque chose de vous, on veut quelque chose de vous, et en plus on est bienveillant. Donc voilà, ils ont ça en commun avec Eric et Olivier, la bienveillance et la... Eric et Olivier, ils sont fans de leurs acteurs, ils sont... ça c'est hyper important. Donc moi j'ai essayé d'être aussi très bienveillante vis-à-vis de mes acteurs et de leur montrer que j'avais confiance et que j'étais sûre qu'ils allaient être super, etc. Mais je pouvais pas aussi bien, je pense, les accompagner. C'est pour ça que j'aimerais un jour, enfin voilà, si j'ai la chance de faire un second film, je sais pas si je me prendrais un tel rôle dedans, parce que j'aurais envie de creuser justement voilà, j'aurais envie de creuser la réalisation et donc aussi la direction de comédien. Je vais jouer dans Palace, parce que Jean-Michel Ribes reprend la série des années 80 qui s'appelait Palace, au théâtre. Donc ça, je suis très contente de faire ça. Et ensuite, normalement aussi, je fais une création que je mets en scène d'un spectacle qui s'appelle Panique et qui rassemble deux textes. D'abord, la pyramide de copie et la cuisse du steward de Jean-Michel Ribes. Et c'est une comédie que je vais monter à la Scala. Et c'est une comédie sur la catastrophe et la révolution.